Alors de retour au Gold Gym avec le grand Jamonézard hein, pour une séance, cette fois-ci dos, séance qu'on va effectuer en biceps. Alors le biceps, je vous le rappelle, hein, enchaînement de deux exercices sans temps de repos sur le même groupe musculaire. Intensité au rendez-vous. Alors au niveau du choix des exercices, on va commencer le premier biceps par des tractions, pronation, prise large hein, pour vraiment travailler la largeur. Et ensuite, en biceps, on va travailler du rowing, prise serrée, mais cette fois-ci en supination pour pouvoir travailler l'épaisseur et également les fibres inférieures de vos dorsaux. Écoutez, sans plus attendre, on s'est échauffé. On y va, c'est parti. Super. Come on, let's go. Let's go. Nice. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Come on. Let's go. Serre le dos, les omoplates, serre les omoplates. Voilà, contrôle. Super, super fort. Super, come on. Super, come on. Super, come on. Super, come on. Good. Bien beau. Voilà. Alors, vous pouvez maintenir la contraction de petites secondes, là, comme fait Jamo. Come on, bro. Allez. Allez, j'aime, allez, allez, allez. C'est mou ça, c'est mou, allez. Tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus. Vas-y. One more, one more, one more. One more. Allez. One more. Ok, la prochaine série. Focalisez sur le squeeze, c'est-à-dire la contraction pendant au moins une seconde et complètement lorsqu'on descend et descend tout doucement. Let's go. Là, regardez. Comment cambrer le bas du dos ici. Comment il reste. Là, contracte tout doucement. Souffle. Cherchez la douleur, cherchez la douleur. Boum, doucement. Faut pas lâcher. Tout doucement. Voilà. Comment. Encore une. Comment. La dernière. Encore deux, la dernière. Comment. Comment. Doucement, doucement. Encore une. Ah. Allez, on y va. Voilà. Doucement. Comment. Comment. Oh, comment. Voilà, comment. Three more, let's go. Two more. One more. Good job. Come on, come on, come on, come on. Come on. Nice. Allez, Jabot, allez. Dernière. C'est la dernière. Avec moi. Allez. Voilà. Premier biceps terminé, on va prendre 2 minutes de repos et ensuite on va enchaîner avec un deuxième biceps. Good job, bro. Super, super, super. Le prochain biceps, on va faire du tirage de poulie, prise serrée,
avec des trapèzes, du tirage vertical derrière le dos pour vraiment cibler les trapèzes, les rhomboïdes pour remplir cette partie du dos là. Donc on va focaliser sur ça et après on va faire ça. Donc combiner les deux exercices, répétition, 8 répétitions chaque, pas plus. Focaliser sur la contraction et vraiment contrôler votre poids lorsque vous remontez le poids en haut. Remarquez comment on a fait les barres fixes. Lorsque la dernière série, on a vraiment stoppé en haut pour garder cette fraction de seconde pour la contraction et vraiment ralentir la descente. Pourquoi ? On cherche la douleur, cherchez la douleur. Il faut la combattre. Les personnes qui ne vont pas chercher la douleur, ping-pong, jouez ping-pong, ok ? Prochaine série. Ok, donc la prochaine série qu'on va faire pour le biceps, c'est on va faire des shrugs avec la barre en arrière pour travailler bien sur les trapèzes et les rhomboïdes pour vraiment, vraiment, comme j'ai dit, remplir cette partie du dos. Donc on va, le deuxième exercice, ça va être des tirages poulet avec prise neutre. Bon, ok, donc on va faire celui-là le premier et après on passe directement au prochain. Let's go. Alors, juste une petite chose. L'avantage de commencer avec la barre derrière le corps, ça va vous assurer de mieux travailler le trapèze dans le sens où vous allez déjà vous retrouver dans une position où vos trapèzes vont être en adduction. Voilà. Donc les épaules sont en position arrière. Si vous faites ça avec la barre devant, vous allez vous retrouver avec les épaules légèrement en avant. Ouais. N'oubliez pas, hein, les trapèzes ce sont des élévateurs mais ce sont aussi des adducteurs. Adducteur, ouais. L'avantage de cette position là. Okay. Nice. Come on. 2, come on. 3, come on. 5, come on. Come on. Allez, Foucault, come on, let's go. Come on, let's go. Come on, vas-y. Come on. Let's go, come on. Come on, let's go. Super. Donc Foucault, tu as un joli dos. Et c'est une des parties les plus dominantes que tu as. Comment tu as commencé à entraîner ton dos? Ben, moi, c'est spécial parce qu'en fait, j'ai longtemps cru, durant aller facilement les deux premières années, deux, trois premières années d'entraînement, j'ai toujours cru que mon dos était une tension faible. Car j'arrivais pas à le sortir avec des tirages plus classiques. Donc par la suite, avec l'expérience, je me suis aperçu que déjà, ça faisait mal la technique. Mais surtout, les tractions. Moi, c'est les tractions. Alors, les tractions, un conseil, les amis. Hein. Dès que vous pouvez passer aux tractions, dès que vous avez le ratio force-poids nécessaire qui vous permet de faire quelques tractions, allez-y. Et allez-y sans complexe. Hein. Moi, j'ai commencé les tractions. J'en faisais 3-4. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Passez le plus vite possible aux tractions. Dormez sous les tractions. Ouais, c'est comme ça. Et le rowing et le soulevé terre et traction soulevé terre et rowing, c'est 3 exercices à faire. Si vous gardez ces 3 exercices, vous allez avoir un dos super. Souffrez, c'est tout. On y va, prochain. Ouais. Come on. Allez, 5. Come on, 3 more, get that score. Come on, let's go. Nice, come on, 1 more, come on. Super. Alors, les amis, comme Foucra dit, les amis, moi j'ai les globistes. Foucra, tu les appelles les amis, c'est ça? Exactement. Les amis. Donc, vous avez remarqué que Foucra, il garde les bras tendus. Moi, je les fléchis, mais c'est une autre variante. Donc, on a appris quelque chose de chacun. Regardez ce que je fais. Je vais faire l'exercice par en arrière. Si les gens qui suivent les années 80, Liané, vous connaissez Monsieur Olympia, 8 fois Monsieur Olympia, j'ai appris cet exercice de lui. Il fait ses trapèzes avec la barre en arrière. Mais regardez où est-ce que je ramasse. La barre va tout à fait en haut, au bas du dos. Mais regardez comment je fais l'exercice. Ça travaille vraiment le trapèze. Je vais le faire en arrière. Et vous allez voir. Donc Foucra, il avait fait son exercice comme ça. Juste pour les trapèzes, en fait. Juste pour les trapèzes. Moi, je vais faire tout le milieu et les trapèzes. J'avance un petit peu. Regardez. On les a. J'avance un petit peu. Regardez. Come on. Hey,
et gardez la barre en arrière, vous ne pouvez jamais tricher. Vous êtes tout le temps tiré par la barre. Donc vous pouvez faire, vous pouvez pas faire comme ça parce que la barre elle vous ramène en arrière, donc vous gardez comme ça. Donc toute la flexion et la contraction, elle est en haut de l'année. Ok ? Last set, best set, let's go. Come on. Go. Nice, come on. Come on. 3, come on. 4, come on. 5, come on. 6, come on. 7, come on. Come on, come on. Let's go. Let's go. 3 more. 2 more. 1 more. Good job. All right, fellas. Have a good day, brother. Good job. Good job, my man. Donc, on va filmer, hein. Donc, il nous reste encore une autre série. Donc, Foukra, on s'amuse là. C'est le bonheur, hein. T'aimes bien? Je voudrais nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il faut visiter ici. Il faut venir ici. Mettez de l'argent de côté. Et venez, venez ici, vous amuser, vous entraîner, manger de la bambouffe. Puis rencontrer des personnes. Rencontrer des personnes qui extraordinaires, qui vous influencent à changer votre vie. Ok? Donc, dernière série. Et après, on va bouger à la prochaine série de l'autre exercice. Allez, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, contrôle. 6, comment ? 7, comment ? 8, voilà, comment ? Là. Ici, là. Comment ? Allez, dernière. Comment ? Boum, let's go. Angle, he's shooting all this from behind. And he's next to me, yeah? Voilà les amis, cette séance d'eau est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous en tout cas on s'est éclaté. On s'est éclaté. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Laissez un commentaire, partagez la vidéo avec tout le monde s'il vous plaît. Voilà. Et avant tout, voilà, on passe un bon moment. J'espère que enfin, ça nous fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. J'espère que vous en toujours, passez. Toujours. Vous passez aussi également un super moment avec nous. Et qu'en plus vous apprenez des choses qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc voilà, j'avoue. Merci, hein. Prochaine séance ? Prochaine séance, on va faire quoi ? Les épaules ? Les épaules, mon ami. On va vous montrer encore plus d'astuces, entraînement. Biceps, quand vous dites. Épaules qui va débarquer prochainement. Nul gueule, comme on dit.
Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle un dos. Ça, c'est ce qu'on appelle une shape. Ça, c'est ce qu'on appelle un culturiste. Bravo, gros. Comme on dit en Bretagne, Sartek. Regarde, allez. Mais c'est là.